عباد الله، إننا نعيش في زمن مليء بفتن لا يعلم بها إلا الله، فتن قتل، فتن فضائيات، فتن وسائل إعلام مضلة، فتن إنترنت وشائعات، وفتن انفتاح على العالم. كل يكتب ما يريد وينشر ما يشاء دون وازع من ضمير يرضعه إلا ما رحم ربي. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا قول الله تعالى في كتابه الحكيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال أيضا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال أيضا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. أي أن المؤمن في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا قتل النفس التي حرم الله قتلها. فإنه إذا ارتكب ذلك يضيق على نفسه في دينه، لأنه العمل الذي توعد عليه الله سبحانه وتعالى بأشد العذاب. الحمد لله، nous remercions Allah le Très-Haut, c'est lui qui a le monopole de toutes les louanges. On le loue quand il nous fait du bonheur, il va se multiplier le bonheur puisque nous l'avons reconnu. Quand il nous éprouve aussi par le mal, on va toujours le louer et il va nous donner ce qui est bon et il va aussi nous donner de la récompense. Nous remercions Allah le Très-Haut. Nous lui demandons son secours, nous lui demandons sa guidance, nous lui demandons son pardon, nous nous repentons vers lui. Nous lui demandons la protection contre le mal de nos âmes, ainsi que les mauvaises conséquences de nos actes. Car certes, celui que Allah protège des conséquences, des comportements, des mauvais, de son âme et de mauvaises conséquences de ses actes, certes il est protégé. Puisse Allah nous préserver de ses mauvaises conséquences. Celui que Allah guide, nous lui demandons la guidance, car celui que Allah guide est celui-là le bien guidé. Nul ne peut l'égarer. Celui aussi qu'Allah égare dans sa justice, c'est certes, personne ne peut le mettre sous la bonne voie si ce n'est Allah. Nous attestons que Allah est le seul qui mérite l'adoration. Tous ceux qui prétendent être Dieu méritent les adorations. En dehors d'Allah, ce ne sont que des impostures, ce ne sont que des mensonges. Car Allah, il mérite l'adoration, il est le seul. Tout le prouve. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui gère tout ce qui se passe, le soleil, la lune, l'air, tout ce que nous consommons, tout ce qui est pour nous sur cette terre, tout ce que nous voyons, c'est lui ce qui a créé et c'est lui ce qui s'occupe de tout ça. Et tous ceux-là qui prétendent mériter l'adoration en dehors de lui, ils n'ont aucune part dans toutes ces créations. Raison pour laquelle nul ne mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah.
nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Il l'a envoyé pour avertir et faire la bonne annonce aux gens avant que le temps arrive. Nous prions sur cet envoyé, ce noble envoyé, ainsi que sur ses compagnons, sa famille, ses compagnons et tous qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères dans la foi, je vous recommande ainsi que moi aussi à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous appelle à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, la piété, c'est ça la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a faite aux communautés qui nous ont précédés ainsi que nous. Il a dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. J'ai recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous aussi, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure provision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demandait quel est le moyen le plus rapide, le plus actif, le plus rapide, efficace pour faire entrer les gens au paradis, il répondait chaque fois que le moyen le plus efficace pour faire entrer les gens au paradis, qui fait plus entrer les gens au paradis, c'est la piété et la crainte d'Allah, ainsi que le bon comportement. Alors je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de moi ainsi que de vous depuis de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères dans la foi, comme vous le savez tous, nous vivons des moments difficiles, des moments, des périodes pleines d'émeutes, pleines de preuves et de mythes. Personne ne connaît la limite si ce n'est qu'Allah. Des émeutes, des tueries, d'assassinats criminels, des émeutes et des épreuves des médias qui trompent, des émeutes et des épreuves des internets, des réseaux sociaux, des rumeurs, des fausses publications, ainsi que l'ouverture au monde. C'est-à-dire le monde est devenu comme Excel. C'est-à-dire chambre, une seule maison de communication passe très rapidement. Chacun écrit ce qu'il veut et il publie ce qu'il désire. Personne, sauf celui que Allah a préservé, n'a de conscience dans ce qu'il publie. On publie seulement tout ce qui arrive, on fait passer, tout ce qui nous arrive, on pense, on publie. Chers frères dans la foi, nous devons nous rappeler le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il dit « وَاتَّقُوا الْفِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ». Nous devons nous rappeler ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Il nous dit « Craignez les émeutes, craignez les tentations, craignez les problèmes. » Car quand les problèmes arrivent, ce n'est pas ceux-là qui sont coupables seulement qui seront concernés ou qui seront victimes. Ça va aussi concerner ceux qui n'ont rien commis. Alors, il faut épargner la vie innocente en nous éloignant des épreuves. Il a dit dans un autre verset dans l'année, il a dit « La illa miyantahil ladhin, la illa miyantahil munafiqoun, wal ladhin fi qulubihim marad, wal murjifoun fil madina. » La nourrienne de voilà, je n'avais rien à faire et la parole. Ceux-là, les hypocrites, ceux qui ont des maladies de cœur, ceux qui sont en train de terroriser les gens à Médine, dans la ville, s'ils ne cessent pas de terroriser les gens, de créer des problèmes dans la société, moi, Allah, je vais te donner la force contre eux, tu vas les neutraliser et tu vas les expulser de Médine. Puisque ce sont des gens qui sont en train de terroriser, qui sont en train de tuer les gens injustement, qui sont en train de faire peur aux gens à Médine de façon injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, il dit « La zawal dunya ahwanu inda Allah min qatl rajul muslim » que ces dunya, ces bas mondes finissent, soient détruits complètement, cela est moins problématique auprès d'Allah que tuer un seul musulman innocent.
tuer un seul musulman innocent est plus grave que la destruction de tous les membres de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous savons, cela nous dit combien de fois est grave de tuer un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « La yazal al-mu'min fi fushat min dinihi ma lam yusib daman harama » Rawahu al-Bukhari fi sahih. Le musulman, il est apaisé, il est à l'aise, il n'a pas de problème grave en tant qu'il n'a pas effusé le sang d'un musulman innocent. En tant qu'il n'a pas fait, il n'a pas tué quelqu'un de façon injuste, tous les autres péchés, alors il a l'espoir de s'en sortir. Mais quand il va tuer un croyant, un musulman, alors il ne doit pas trop espérer sur Allah, le patron d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit ça dans le Coran. Quiconque tue un croyant, sans que cela soit justifié par la législation d'Allah, alors sa demeure c'est l'enfer. Chers frères musulmans, si cela veut dire quelque chose, cela veut dire que nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'effusion de sang dans notre société. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله السلام المؤمن المهيمن والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن لكل داء دواء. فما دواء هذا المأزق الذي نحن فيه من الفتن؟ فهاكم عدة مسائل لو تمسكنا بها لنجينا. أولا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ثانيا الإقبال على العلماء وترك العوام. ثالثا التوكل على الله والتعوذ به من الفتن. رابعا الحذر من الشائعات والروايات الواهية ونقل الأخبار الكاذبة وهذه هي ظاهرة زماننا. خامسا النهي عن المنكر. سادسا النهي عن قتال المسلم أو تعريضه للهلاك. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Nous prions sur l'envoyé Muhammad, lui qui est le messager de la guidance. Nous demandons à Allah de faire de même sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent le chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères dans la foi, craignons Allah. Sachant que toute maladie a un remède. Nous venons de parler de la maladie du monde, les émeutes, les épreuves, les assassinats criminels partout, les problèmes sur les réseaux sociaux. Mais quel est le médicament de cette maladie? Il y a quelques moyens que nous pouvons conseiller les uns les autres quand on s'attache à ça, Inch'Allah ta'ala, Allah va nous donner une porte de sortie. Premièrement, atamastuku bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons rester cramponnés, attachés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ainsi qu'à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons laisser toute autre référence en dehors de Dieu. Tout ce qui nous arrive, nous devons comparer ça au Coran. Nous devons comparer ça à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver une voie de sortie. Comment le Coran, qu'est-ce que le Coran nous conseille à ce sujet? Quand quelqu'un est tué, comment? Qu'est-ce que le Coran nous dit? Qu'est-ce que la Sunna nous dit? Quand on parle mal, qu'est-ce que le Coran nous dit? Quand une autorité fait quelque chose,
Qu'est-ce que le Coran nous dit? Qu'est-ce que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport à ça? C'est ça la voie de la sortie de la sortie de cette crise. Si chacun pense que lui, par son intelligence, il pourra trouver une solution, parce qu'il est un libre penseur, nous n'allons pas trouver une solution. Puisqu'il faut nous entendre sur quelque chose pour pouvoir trouver une solution à nos problèmes. Et rien ne peut nous réunir, ne peut nous faire nous entendre, si ce n'est que le Coran et la Sunna. Si les deux sont nos références, tout problème, on va alors regarder le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver une solution. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que moi je vous ai laissé deux choses, deux outils, des références. Vous ne serez jamais égaré, vous ne serez jamais dans la perdition en tant que vous resterez attaché au but. Le Coran est ma tradition. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire également pour sortir de cette situation? C'est aller dans le problème, nous devons aller vers ceux qui savent, ceux qui ont la connaissance de la religion, ceux qui ont la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont la connaissance de l'histoire de la communauté, la meilleure communauté, celle des Sahaba, ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont la connaissance de cette histoire, qui ont la connaissance du Coran, qui ont la connaissance de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons aller vers eux pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous devons laisser ceux qui n'ont rien dans la tête, ceux qui ne pensent que les philosophes occidentaux, ceux qui ne prennent que des philosophes occidentaux comme référent pour résoudre nos problèmes, nous devons les laisser. Ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose dans la tête, ils n'ont rien dans la tête, puisqu'ils n'ont pas le Coran et la Sunna comme référence. Donc nous devons aller vers le ulama. C'était comme ça depuis autant du prophète et les compagnons. Quand il y a un problème, ceux-là qui ont la connaissance plus que les autres, même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons s'adressaient à eux pour trouver la solution à leurs problèmes. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, les assassinats par-ci par-là, les conflits intercommunautaires, les agressions des États souverains par-ci par-là, entre les communes, entre les musulmans eux-mêmes, la voie de la sortie, c'est le Coran, la Sunna. La voie de la sortie, c'est de nous référer à ceux qui ont la connaissance des deux. Troisièmement, atawakkul ala Allah wa ta'awudhu bihi min al-fitan. Nous devons nous fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous en remettre à Allah. Croire que c'est seul Allah qui peut nous trouver une solution à nos problèmes. Seul Allah qui peut nous protéger. Tout en prenant les moyens légaux, les moyens légiférés par Allah en les appliquant, mais on se fie à Allah subhanahu wa ta'ala. On se dit que ce que nous faisons pour résoudre les problèmes, ce n'est que des moyens qu'Allah nous a autorisés de prendre, mais c'est seul Allah qui peut amener l'amour, l'entente et la réconciliation dans la communauté. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui, c'est lui qui a concilié et réconcilié les compagnons. Les Médinois qui avaient beaucoup de difficultés entre eux, c'est lui qui a concilié leur cœur. Même si toi, le prophète, tu avais dépensé tout ce qui est sous terre comme bien, tu n'aurais pas pu concilier leur cœur. C'est Allah qui l'a fait. Alors nous devons nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala tout en prenant les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisés pour nous réconcilier. Atawakkulu 'ala Allah wa ta'awudhu bihi min al-fitan. Nous devons également demander à Allah la protection contre les émeutes, contre les épreuves. Le musulman, son arme, c'est la prière. Notre arme, la première arme, la plus puissante, c'est la prière. Quand il y a des difficultés, quand il y a des émeutes, quand il y a des problèmes entre les communautés, nous devons nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais je l'ajoute avec un cœur sincère et de la manière traditionnelle, c'est-à-dire conformément à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prières pour sortir des crises doivent être des prières conformes à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Allah a enseigné et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ce n'est pas d'aller faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour une sortie de crise qui ne vaut rien donner. Quatrièmement, al-hadr min ash-sha'i'at wa riwayat al-wahiyah wa naql al-akhbar al-kadhiba. Qu'est-ce que nous devons aussi faire pour sortir de cette situation, de ces malaises, de ces difficultés? C'est aussi de prendre garde, de nous éloigner des rumeurs,
de nous éloigner des fausses publications, des mensonges, des mauvais récits, des mauvaises histoires, des choses qui n'ont même pas existé, des coupes collées. Nous devons nous éloigner de tout ça. C'est ça le phénomène du temps. C'est ça le phénomène du temps. C'est-à-dire les rumeurs. C'est ce que les gens prennent aujourd'hui. Les rumeurs qui n'ont pas de fondement, parfois, laissant les voies légales pour accéder aux informations. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde le croyant contre ça. Il a dit, vous n'avez pas le droit de publier les informations comme ça. Quand une information arrive du front, ou en tout cas quelque part, pour peut-être annoncer des épreuves pour la communauté, vous n'avez pas le droit de publier comme ça. Notre armée a subi telle défaite ici. Notre armée a subi telle défaite là. On publie ça comme des peines. Non. Il y a une voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Il y a une voie pour accéder aux informations. Il y a la voie officielle. Il y a la voie officielle. Il a dit, vous devez patienter jusqu'à ce que l'information soit traduite par une voie officielle et que vous tous, vous allez apprendre l'information. Puisque quand l'information arrive, il faut d'abord vérifier la véracité de ce qui a été dit. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une épreuve mondiale. Ce n'est pas seulement chez nous. Mais ceux qui ont vraiment un peu d'intelligence sur ces plans, en tout cas, ils savent comment faire un peu. Mais chez nous, où les gens publient n'importe comment, tout le monde se croit intelligent, tout le monde se croit expert à l'information, on publie n'importe comment. C'est ça la source de beaucoup de problèmes. Les limites ont toujours existé dans les communautés. Mais ce qui aggrave aujourd'hui les choses, c'est la mauvaise publication. C'est la mauvaise publication. Alors nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Être responsable de ce que l'on publie. C'est-à-dire se rendre compte que ce que moi je publie et ce que je dis sur les réseaux sociaux, dans les journaux, il y a pas qu'il y a le jour de la résurrection, tout est écrit par les anges aujourd'hui. Tout ce que tu dis, c'est écrit. Du bien comme du mal. Le Yom al-Qiyam, tu seras questionné, tu vas te mettre devant Allah. Là, tout le jour, pas d'interlocuteur entre vous. Tu vas te mettre devant Allah, tu vas te poser la question sur tout ce que tu as eu à publier, tout ce que tu as eu à dire. Contre qui que ce soit, surtout les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, c'est pareil. Tout ce que tu dis, sache que tu rendras compte, Yom al-Qiyama, si c'est vrai ou pas, toi tu vas répondre à cette question. Ce que tu as publié, est-ce que tu avais le preuve de ce que tu as publié? Tu as dit que tel a tué tel, tel a fait le zina, tel a effusé le sang d'un tel. Tu avais la preuve. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce qui concerne le zina. Il a dit ce qu'il a dit dans le Coran, vous le savez. Quand il y a quelqu'un qui a commis le zina, même si tu as vivant et tu apportes 4 témoins, si ce n'est pas le cas, toi on va te fouetter, 80 coups de fouet. Et toi, ton témoignage ne sera plus accepté. Vous le savez, ça c'est le bas monde. Donc c'est pour dire que la dignité de l'être humain doit être préservée, doit être respectée. Il faut que sa culpabilité soit avérée et établie. Alors, faisons très attention, chefs dans la foi, aux réseaux sociaux. Faisons très attention à ce que nous publions. On doit être sûr de ce qu'on publie avant de publier. Mais aujourd'hui, le message arrive à un tel, lui transmet à 1000 personnes sans chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Alors, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous a préservé. C'est ça la source de l'aggravation de certaines situations qui pouvaient être circonscrites, qui pouvaient être résolues sur place. Mais dès que ça part loin, alors la solution devient difficile. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est conscient de cela. Il y avait des problèmes par le passé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais à travers les réseaux sociaux, le problème, ça s'amplifie, ça s'aggrave. Pour résoudre, ça devient compliqué.
et ça devient des limites intercommunautaires, interreligieuses. Cinquièmement, Allah a rendu le munkar dans la société, dans la communauté. Quand on a des problèmes, les sources des problèmes, on doit les interpeller. Ceux qui amènent des problèmes dans la société, ceux qui ont le savoir doivent interdire ça, doivent parler aux gens de cesser de faire ça. Ça aussi, c'est très très important lorsqu'on est dans des difficultés. Ça, c'est un arrière en état des musulmans, à Otari, les halak. Interdire également de la gravité de combattre un musulman, de tuer un musulman. La gravité de ça, on doit parler de ça dans la société. Exposer un musulman à un danger, on doit parler de ça. C'est très important. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Ousmane bin Affan, radiallahu anhu. Lui, lorsque, lui qui est le troisième khalifa de l'islam, après Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu, c'est lui qui a succédé à Omar. C'est lui qui a épousé deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une après l'autre. C'est pourquoi il a appelé deux nourris. Ces mérites sont nombreux. Il a trop dépensé en islam. Il a acheté un puits qui est devenu une source d'eau potable pour la communauté musulmane. C'est à l'époque, le prophète a dit ce jour-là, sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'a plus de problème. Quand il n'a plus de problème. C'est lui que le prophète a dit que lui, même les anges, quand ils le rencontrent, ils ont honte de lui. C'était quelqu'un de très respecté, très généreux. Il a donné beaucoup à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a été tué pour de fausses informations. On l'a traité d'un chef incapable, qu'il y a des responsables, des gouverneurs, des chefs. En Égypte, à Charles, il passait par là, qui font du tort aux gens. On est venu se plaindre auprès d'Ousmane, radiallahu anhu. On l'a soupçonné de n'avoir rien fait. Qu'il a mis là ses parents. Qu'il a mis là des gens même que lui-même il a trouvé. Comme Amr ibn al-As. C'est pas lui qui l'a mis là. Il a trouvé. Donc les gens sont venus se plaindre. Ousmane a voulu faire quelque chose. Mais les ennemis étaient là pour faire le contraire, pour lutter contre la paix. Ils sont allés mentir aux gens que Ousmane le Compte, il veut vous tuer tous. C'était des mensonges. Ils sont retournés pour venir encercler Ousmane, radiallahu anhu. Ils ont attaqué sa maison. Les compagnons étaient là ce jour-là. Ils ont voulu se lever pour protéger Ousmane. Ousmane a dit, il ne faut pas que quelqu'un meure à cause de moi. Restez tranquille. Si c'est moi qui veux, restez tranquille. Il ne faut pas qu'un seul sang soit coulé à cause de moi. C'est ce que Ousmane a fait. C'était pour préserver la communauté. Si lui, il avait dit aux gens, à ce jour, à Médine, levez-vous, levez-vous, ce serait comment? Une confrontation entre la communauté, les uns contre les autres, intercommunautés, c'est-à-dire entre les musulmans. À Médine aussi, Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu éviter ça pour épargner le sang, pour épargner l'islam. C'est ainsi, c'est ça un bel exemple pour la communauté. Il a été tué. Il a été tué. Il a voulu que le fitna n'aille pas loin, mais cela n'a pas empêché le fitna de se propager. Puisque quand lui il a été tué, d'autres se sont levés aussi pour demander son sang. Alors, chers frères dans la foi, c'est un bel exemple pour nous. Il faut faire tout faire. Quand tu es éprouvé, tu as eu des victimes, il y a une voie légale. Il faut passer par ça. Il faut éviter les vengeances. Les vengeances ne vont jamais résoudre les problèmes. Ne feront qu'aggraver. L'autorité est tenue à même à faire la justice. Ce sont des voies les plus absolues. Mais sachant que les situations sont parfois compliquées. Les situations sont compliquées plus que ce que les gens imaginent. Pour toi, c'est la vérité, c'est de ce côté seulement. Mais quand c'est devant une autorité, il doit étudier toutes les éventualités. Toi, tu te plains, l'autre aussi, avant de se venger de lui, il doit aussi l'écouter. Donc les situations sont parfois compliquées.
Quand on vous appelle à la réconciliation, acceptons la réconciliation. C'est mieux pour nous tous. Il y a aussi l'exemple de Omar ibn Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Et c'est grave donc aussi le destin. C'est grand wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les épées dont nous parlions tout de suite, après la mort d'Ousmane, les preuves, les fitnas se sont éclatées entre Ali et Muawiya, comme vous le savez. Abdullah ibn Omar et quelques compagnons sont restés isolés. Ils n'ont pas voulu défendre ni un côté ni l'autre. Abdullah ibn Omar, on lui dit pourquoi pas te lever? Pourquoi pas te lever? Aller combattre à côté, du côté de la vérité. Lui peut juger Ali de véridique. Mais est-ce que s'il va défendre Ali, il ne va pas tuer un musulman de l'autre côté? Pour lui, même si Ali a raison, mais il faut trouver d'autres voies qui n'est pas là. C'est ce qu'il lui a jugé nécessaire. Il a dit Man qala hayya ala salat ajabtu. Ou man qala hayya ala qatl akhika al-muslim wa akhdi malihi fala. Celui qui m'appelle à la prière, il dit hayya ala salat, je vais répondre. Je suis prêt à aller prier. Mais celui qui m'appelle à aller tuer mon frère musulman et prendre ses biens, non, je ne suis pas dedans. Donc lui, il est resté à l'écart de toutes ces émeutes. Il y a aussi Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est l'un des grands compagnons du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il est resté isolé de toutes ces émeutes. Il n'a pas voulu se mêler dedans. Il a dit, là où a-t-il حتى تقتلوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر moi prendre arme pour tuer non sauf si vous m'amenez un épée hein un couteau qui a une langue qui a des yeux qui va regarder tel il va dire bon il va lui parler il va dire bon lui là c'est un kafir il faut le tuer lui là c'est un musulman il faut le laisser. Si il y a un couteau comme ça, je vais prendre et je vais avancer. S'il si me dit que lui est gaffe, je vais le tuer. S'il si me dit que lui est musulman, je veux pas le tuer. Si ce n'est pas ça, dans un état islamique, comme à Médine, comme à l'époque, je ne peux pas prendre l'arme pour défendre qui que ce soit ou tuer qui que ce soit. C'est comme ça que nous aussi, il est resté à l'écart. Nous devons en regarder et étudier ces exemples chefs dans la foi. Et rester calme, ne pas se lever sous l'impulsion de la passion ou de la colère. C'est vrai, tu es un parent, tu es ton père, tu es ta mère, tu es ton enfant. C'est vraiment difficile à supporter. C'est difficile à supporter. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque tue une seule âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est le péché. Quiconque tue une seule âme injustement, non autorisée par Allah, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Et quiconque aussi sauve la vie d'un être humain, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Bon, nous voyons là, ça c'est un verset coranien traduit. Nous voyons là combien de fois il est important de préserver la vie, de ne pas effuser le sang. De chercher à nous réconcilier. Le fait n'en apporte rien de bien. Quel que soit le camp de vainqueurs aujourd'hui, ça n'apporte pas. Il n'y a pas de vainqueurs. Quand deux musulmans se confrontent, il n'y a pas de vainqueurs. Il n'y a pas de vainqueurs. Alors, chers frères dans la foi, nous devons savoir ce que nous publions. Savoir que nous sommes responsables de ce que nous publions. Nous devons savoir ce qu'il faut défendre. Il faut où il faut aller, à quoi il faut rester attaché, le Coran et la Sunna du Prophète. Savoir que si tu arrives à épargner la vie d'un seul être, tu as beaucoup de récompenses après dans la Sunna wa ta'ala. Mais au contraire, si tu tues ou tu as été la cause de la mort de quelqu'un, c'est trop dangereux. Le Prophète a dit que le musulman, tu es en l'aise en tant que tu n'as pas tué quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, vraiment, c'est grave.
qu'Allah nous a préservé. Qu'Allah nous a préservé. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذه البلاد امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واسوادنا الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين 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 ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الى صلاتك يا رب